Pourquoi pas lui téléphoner, pourquoi pas? À 8h sera-t-elle là, pourquoi pas? Dans ce cas, un autre copain l'invitera. Et pourquoi pas moi? Je suis amoureux d'une fille si belle que depuis quelques jours je ne pense qu'à elle. Je l'adore mais je suis une fois devant elle, trop paniqué pour l'attaquer. Allongé sur mon lit, le récepteur en main, je joue à pile ou face, aujourd'hui ou demain. En perdant mes moyens, je me parle moi-même, je me parle à moi-même. Pourquoi pas lui téléphoner, pourquoi? À 8h sera-t-elle là, pourquoi pas? Dans ce cas, un autre copain l'invitera. Et pourquoi pas moi? Comme je sais quel est son acteur préféré, il suffirait peut-être pour la décider de lui dire je t'emmène voir ce soir au ciné un film terrible de Steve McQueen. Si je lui écrivais deux mots pour l'inviter, que diraient ses parents? C'est peut-être risqué. Je n'ai plus qu'un moyen pour me tirer de là, pour me tirer de là. Pourquoi pas lui téléphoner, pourquoi pas? À 8h sera-t-elle là, pourquoi pas? Dans ce cas, un autre copain l'invitera. Et pourquoi pas moi? Mardi, audacieux, j'empoigne le téléphone. Je fais son numéro, mais sitôt que ça sonne, j'ai le pouls à 120 et complètement aphone. Quand elle décroche, moi je raccroche. Heureusement le hasard nous mit hier matin côte à côte, achetant notre salut les copains. Alors n'y tenant plus, moi je lui avoue tout. Oui je lui avoue tout. Pourquoi pas me téléphoner, pourquoi pas? Pourquoi pas, murmura-t-elle, pourquoi pas? Les copains me téléphonent 36 fois. Et pourquoi pas toi? Fou de joie, je me suis dit mais pourquoi pas l'épouser, ça, alors ça serait sympa. Beaucoup d'autres l'ont fait qui s'aiment comme des fous. Et pourquoi pas?